Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2. Donc une vidéo qui consiste à vous présenter les diables en boîte, car j'ai reçu quelques messages comme celui que je vais vous afficher, qui me demandent comment ça se fait que j'ai 6 diables en boîte et que eux ils en ont que 3. Donc ils comprennent pas pourquoi, je vais vous expliquer ça tout de suite. Les 6 diables en boîte se passent sur toutes les maps qui viendront sur Call of Duty World War 2. Donc là je suis sur Final Rage, mais ça marchera sur toutes les autres maps aussi. Alors faut savoir que quand vous allez faire la première boîte magique, vous avez 90% de chance qu'elle spawn, que les diables en boîte spawn dans la première boîte. Si ça est déjà arrivé qu'elle ne spawn pas dans la première boîte, elle spawnera obligatoirement dans la prochaine boîte que vous ferez à un autre endroit, quoi, un autre spawn de boîte. Donc franchement vous pouvez essayer, c'est véridique, on a essayé plusieurs fois, ça nous est arrivé plusieurs fois. Et c'est très très rare quand on doit le faire dans une deuxième boîte. Voilà, regardez, j'ai usé 3000, j'ai fait 3 boîtes et j'ai obtenu les diables en boîte. Donc maintenant, pourquoi j'en ai que 3? C'est tout simplement parce que j'ai pas de munitions. Donc là, je vais les user, vous allez voir. Là, je vais arriver à la manche 5. Et vous allez voir que quand je vais obtenir des munitions, j'aurai 6 diables en boîte à la place de 3. Parce qu'en fait, quand vous obtenez votre diable en boîte, vous en avez 3 de base. Et moi j'ai équipé ce que vous pouvez voir en dessous du M1 garant personnalisé. Le troisième mode, c'est une grenade x2. Donc en fait ça me donne des équipements en double. Donc deux fois plus de grenades, deux fois plus d'objets secondaires, donc les diables en boîte par exemple. Donc deux fois plus de tout. Mais quand vous les prenez dans la boîte, vous en avez que 3 de base. Donc il faut absolument avoir un munition max pour en récupérer 6. Vous n'en récupérez pas 3 par 3. Regardez, je lance mes 3 diables en boîte. Et vous allez voir que quand je vais avoir les munitions max, eh ben, j'aurai 6 diables en boîte directement. Voilà, comme vous pouvez voir en bas à droite, j'ai 6 diables en boîte. Donc regardez, je vais en lancer 6 pour vous prouver que ce n'est pas de la mytho. Et voilà, c'est tout simple. Donc là, je vais vous montrer comment... Qu'est-ce que vous devez, quel mode vous devez équiper pour avoir ça. Donc je vous l'ai déjà montré en dessous du M1 garant, on peut le voir avec les grenades x2. Mais là je vais quitter, vous avez bien vu que j'ai lancé 6 boîtes diable en boîte. Là je vais quitter la partie et je vais vous montrer le mode exactement où il se trouve. Donc voilà, quand vous êtes dans le mode zombie, vous allez dans soldat, vous allez dans centre de recherche et là vous allez dans corbeau de tempête. Et vous pouvez voir que le troisième mode c'est grenadier. Transporte deux fois plus d'équipement mortel. Donc L1 et R1 quoi. Et pour vous les équiper, bah, il suffit juste d'aller dans équipement, vous allez dans une classe, choisissez n'importe quelle classe, vous allez ici, vous cliquez ici, voilà. Et là vous allez dans mode universel, elle se trouve en première catégorie, vous appuyez sur X et vous le remplacez par un des 3 que vous avez déjà, voilà comme ça. Et puis voilà, vous avez vos double diable en boîte, vos double grenades. Donc si vous avez des grenades Samtex, vous en aurez 8 à la place de 4. Donc franchement c'est très très utile, moi je vous le conseille. Donc voilà, j'espère que cette petite information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao, peace.